l'action a l'air de bien partir. Hein. On a eu beaucoup de monde déjà ce matin, cet après-midi, et puis on attend le grand rush en fin d'après-midi, comme tous les ans. Mais c'est très très bien parti pour cette année. J'ai fait le tour de tous les exposants, là, ouais, donc de très belles choses à voir, à goûter. Tous les sommeliers de la région sont venus, c'est très très bien. Pour l'instant, ça démarre très bien. C'est un beau moment comme d'habitude, il y a de très belles maisons. Personnellement, j'en ai découvert 3-4 que je ne connaissais pas du tout et je suis ravi. J'ai cherché l'un ou l'autre va à des prix raisonnables mais excellents et j'en ai au moins trouvé deux. Et ce qui est bien, c'est le contact est très, très agréable. Ce n'est pas une école, au contraire, on découvre des choses et on reçoit de bonnes informations. Les sommeliers qui sont là et les personnes qui sont ici présentes, ils ont l'air heureux. Et satisfait. Alors, on continue comme ça. Ces rencontres vinicoles sont pour nous l'occasion de venir présenter l'ensemble de nos vins auprès des restaurateurs et des cavistes de la région Alsace. C'est pour moi l'opportunité à la fois de rencontrer mes clients, mais aussi de faire découvrir nos vins. Voilà, je suis ravie de participer à cette édition et de rencontrer l'ensemble de nos clients. Voilà, mes partenaires et nos futurs partenaires. C'est aussi l'occasion pour moi de les inviter à venir au Salon des Grands Riesling qui aura lieu à Paris au mois de novembre. On a commencé sans être implanté dans la région. Donc ici, pour moi, le Salon des Rencontres Vinicoles s'installe dans cette logique de s'implanter sur une région sur laquelle on était peu, voire pas présent, et ainsi de s'asseoir au niveau de l'image, mais aussi, bien entendu, d'être présent sur des belles tables, chez des cavistes, donc dans le réseau traditionnel. Et c'est en ça que, pour moi, le salon est un vecteur donc, de contact et d'image, bien entendu.